Bonjour à tous et à toutes, je suis Alus et bienvenue pour la suite de Neverwinter Nights. La dernière fois, je vous avais quitté un endroit au donjon des magiciens car on était parti au nord de Fort Ilkar pour trouver le dernier mot de pouvoir. Parce que ce chapitre est extrêmement court a priori. Et puis au détour de la première zone, nous avons trouvé justement. Le donjon des magiciens, nous avons fait un petit tour, aperçu quelques élémentaires de feu et d'air principalement, ainsi que le sorcier Nax, qui justement avait volé un objet qui était utile pour une quête, objet que j'ai récupéré moi-même, et du coup j'ai quand même libéré Nask en invoquant un élémentaire d'air, ce qui a été ma foi plutôt impressionnant. Et donc, deux choses aujourd'hui, déjà parler à Dalin, enfin trois oui. Choses même. Oui, je voudrais parler, en fait, parce que j'aimerais en savoir plus sur sur ton histoire. Ah, il semblerait que si. D'accord, donc tant mieux. Parce qu'en fait, j'ai vu que au chapitre 3, il y avait une quête avec votre compagnon, et en fonction de l'avancement dans le chapitre, si vous lui parlez, il va vous raconter son histoire et vous aurez un objet en plus. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième étant de revenir à la taverne. La taverne, l'auberge, je ne sais plus. Ah, je ne sais plus. Est-ce que c'était l'auberge ou c'était... Non, c'est dans la quête. Ce que j'ai retrouvé dans la taverne. La taverne. La taverne. La taverne. La taverne. Auberge. On va dire que l'auberge d'une taverne. Pour lui rendre la quête, premièrement, ainsi on peut avoir un petit peu des points d'expérience. Parce que bientôt le level up, enfin, bientôt dans 9000 points d'XP, mais. 9000, ouais. Alors, ah bah tiens, parfait. Rebonjour. J'espère que votre quête de mon globe de neige se passe mieux que ma recherche d'une bouteille de vin décent dans cet endroit. Oh, ne t'inquiète pas, mais si tu veux, j'ai du vin et de la bière. Regardez, j'ai la boule. J'ai la boule. Tiens, prends ta boule. Ça c'est le club de neige que Nax m'a volé, bien. J'ai gagné 937 d'XP. C'est pas mal. Elle a disparu, mon dieu. Inquiétude, j'ai seulement déplacé le club de neige vers son piédestal dans ma chambre, d'accord. Grâce au mot de commande. Alors, mais je vais être un peu gay, effectivement. Je vais être plus fort. Mais en fait, t'es une putain. T'es une alcoolique! Voilà, c'est le mot que je cherchais. Comme promis, je vous dirai où trouver le mot de pouvoir. La clé, comme vous l'imaginez, c'est la boule à neige! Waouh! L'examinant en détail m'a découvert qu'il est plus intéressant. Il existe tout un monde miniature dans la boule de verre. Un monde avec de véritables créatures vivantes. Un monde miniature? Mais comment est-ce possible? Incroyable, n'est-ce pas? Pensez à la magie nécessaire pour cela. Déforme, oulala. Déformer le temps et l'espace, les comptes. Ah, oh, c'est chiant. Les textes et les documents que j'ai lus sont juste quelqu'un qui cherche. Waouh! Faut aller chercher la boule à neige. Il me semble qu'il y a un autre moyen de la faire sortir le mot. Bon, j'y vais. La boule à neige sur son piédestal dans ma chambre. Deuxième porte à gauche en haut. Si vous voulez vraiment entrer dans la boule, si je touche. Si vous cherchez les mots de voir, allez-y, rentrer dans la chambre. Vous serez prêt. Mais je m'enlève les mains. Tout ceci est bien trop dangereux à mon goût. Waouh! Alors, je suis un peu surpris parce que du coup. Alors, attendez, je ressors juste. Vite fait. Parce que là, au nord, moi je voulais aller au-dessus du bois frileux. Parce qu'au-dessus du bois frileux, il y avait encore une zone. Donc, ce qui se passe, c'est est-ce que je finis la quête directement dans cette boule de neige miniature? Ou bien avant, je vais quand même aller voir ce qu'il y a au-dessus? Enfin, au nord. Franchement, j'ai envie de voir ce qu'il y a au nord. Donc, je vais au nord. Voilà. Ça, c'est quoi? Le bois frileux. Je vais y aller. Oui, donc le globe de neige. Alors, le globe de neige. Le globe a été transporté par magie. Tout le vin coule à flot ne semble pas forcément.
sans contrebalance, ouais. Voilà. Le sac des magiciens, c'est là où j'étais. Mais moi, je vais aller au bois frileux. Alors, ça va être un peu long. Un peu. Mais bon, hein, c'est comme ça l'aventure, que voulez-vous. Ça se trouve, il n'y aura peut-être rien. Et du coup, ça sert à rien. Mais au moins, on saura. Enfin, je saurai. Je saurai que, au bois frileux, et bah, kepouik. Charmant. Ah bah des zombies. C'était à peine caché. Ah puis des gros zombies hein. Ok, Seigneur Zombie était peut-être un peu dur. Bon, bah finalement, il y a quelque chose ici. Une petite zone. Qu'est-ce que c'est? Ah, je le savais. Oui, donc le crâne, c'est le zombie. Donc, ok. Waouh. C'était très compliqué. Et il pleut. Ah là là, bon là il y en a un autre. Bon bah du squelette principalement en ennemi, écoutez, voilà. Puis les squelettes assez résistants. Squelette assez résistant en effet. Écoutez, quelque part c'est pas plus mal. Par contre, que 14 points d'XP à chaque combat. Non mais monsieur, voilà. Prenez garde à ma colère. Prenez garde. Un double renversement qui touche d'Alain. Tu gères tellement fort. Ah là là, bientôt l'XP à même pas 7000. Ah là par contre c'est un cadavre. Et là par contre c'est des méchants méchants. Ah des vampires. Mais c'est trop bien. As-tu quelque chose? Putain, alors, par contre dans l'eau ça va être difficile. Je ne sais pas où aller. Par ici. Non, pas par... de l'autre côté. Allons de l'autre côté. Il faut que je cartographie bien. J'aime cartographier des trucs. C'est une passion. Un bouquin. Un convoi. Une char... un chariot. Là, il y a un campement. C'est facile à deviner. Encore les cadavres. Donc, visiblement, il y a beaucoup de morts ici. Alors, un vampire qui était ici, qui se faisait son petit camp, sous cet orage, au calme. Ah, il y a des murs ici, qui sembleraient être des murs, ainsi que... Non, tais-toi. Ah, il y a quelque chose. Des soldats que... D'Alain, ici. Non mais... Attends, voilà. Donc des squelettes ici, on dirait une espèce de fort. Enfin, ou un campement duquel on aurait érigé. Il m'énerve. Oui, t'as vu un... Non, ça marche. Une momie supérieure.
Oh oui. Oh ça marchait. Oh là là, immunisé contre les attaques sur base. Oh là là, c'est magnifique. Ah, grosse momie. Écoutez, je suis. Donc ça, c'est. Oui. Donc sortons d'Alain, s'il te plaît. Je n'avais pas fini d'explorer l'extérieur de cette. De tout cela. Donc ouais, ici, il n'y a pas grand chose. Très bien. Il n'y a pas grand chose. Mais à l'intérieur, il y a une momie. Ça doit être une ancienne maison. Oui. Ah, c'est compliqué. Ah, j'ai vraiment pas la bonne souris pour ça. C'est compliqué. Oh, oh, messieurs, bonjour. Ah, oh là là, un chevalier funeste. Ne serais-tu pas un mob de type mob? Je le sens pas, ce chevalier. Oh là là. Attends. Voilà. Chevalier funeste. Ouais, il m'a mis quand même des bons dégâts, donc je pense que je devrais au moins avoir 40 ou 50 d'XP, messieurs le développeur. Bon, chevalier funeste, je ne sais pas ce que c'est, mais ça ne présage rien de bon, je pense. J'en suis même certain. Mais bon, on dirait un espèce de village. Un village brûlé, détruit, pillé. Donc ça ressemble plus à une tour de garde ici. Là, il y a carrément un cadavre encore. Donc oui, le bois frileux. Une attaque plus de. Peut-être qu'un jour je changerai d'arme. Un jour. Bite démolition. Ah, une baguette maudite, une baguette de paralysie que je ne peux pas utiliser et que je vais aller vendre pour me remplir encore plus les poches. D'accord. Très bien. Personnage débile. Ah, là. Ah, ça, c'est une belle table qui a survécu. C'est à remarquer, ça c'est des flèches vampiriques, les mecs, je sais ce que c'est. Donc ouais, c'est quand même bien détruit comme village. Il y a encore un cadavre et même un coup des coffres. Des coffres. Coffres piégés. Doit être là depuis un moment. Cette bâtisse a étonnamment plutôt bien résisté. Ce qui est normal, c'est un tombeau. Que diriez-vous de se faire un petit tombeau? Ouais, voilà, il y avait un piège. Oh, une trousse à piège électrique moyen. Pas mal. Oh le. Merde, attendez, ça a paru, mais mal apparu. Une fronde plus 3, une pièce d'or et des bottes de promptitude. J'ai pas de bottes. Étonnant. Je n'avais pas de bottes d'équipe. Oui. Non, c'est toi. Puis-je quoi que ce soit pour vous ? Non, je me suis trompé de touche. Donc, un tombeau, très bien. J'explore ça dès que j'ai tout vu. Des morgues, un chef squelette. Trois morgues. Ça résiste bien en tout cas, je veux le dire. Putain, les morgues ça résiste tellement bien. Ah, décède. On a peut-être un petit repos par contre là. Ah, encore que je peux survivre un moment. Juste une sauvegarde.
Il y a un calabuste ici. L'entrée, oula. La tombe de la hyène. Merde. Oui. D'accord. Ah merde, faut sortir. Pourquoi déplacement ralenti? Non mais Dalin, sois pas con, bouge. Arrête d'être débile dans ta vie. Tombe de l'alien. D'accord. D'accord, d'accord. Eh bien, oui. Eh bien, oui, d'accord, très bien. Bon, bah, oui. Je sais pas trop quoi dire, là. Il y a un ça se trouve, petit tombeau un peu nul. Ça se trouve, c'est juste un tombeau optionnel. Encore les bobs de promptitude. Ah, mais plus 4, ça. Ah, mais ça, c'est de la merde. Ça, je vais les revendre. Ça, écoutez, mon bon monsieur, ça pue du cul. Là, on a des seigneurs ghouls. Et je crois que je suis un peu dans la merde parce que ces seigneurs ghouls, en plus d'avoir... en plus d'avoir la possibilité de me faire... de développer une maladie... ça va me faire chier. J'en ai une là aussi, tranquille. Et où ça me sale. Oups. Oh, joli ça. Ah non, une boule dévastatrice. Donc le bois frileux, c'était juste pour un donjon. Et bah moi, ça m'intéresse quand même de voir, de savoir. Et puis j'ai vu deux coffres, oh, j'ai vu un gros coffre surtout. Mais trois coffres. Pas mal. Bon, là il y a un piège. Même pas. Voilà, le triple crochetage. De l'autre côté, il n'y a l'air d'avoir rien du tout. Ce qui est bien. Alors, combien je parie qu'il y a un des coffres qui est piégé? Bon, pas celui-là. Pas celui-là. Alors, bon, celui-là. Même pas. Bien, bien, bien. Bah, tant mieux. Et de ce côté-ci, rien du tout. Ah, par là, quelque chose. Un cadavre. Non, une impasse. Bien, sur ce, allons explorer ce tombeau de l'Ayane, a priori. Entrée du tombeau. Est-ce que je peux me... Victime du vampire. Oh, je ne t'avais pas vu, toi. Une lance. Lance plus un de frites. Oh, 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 salut, toi. Absorption de caractéristiques. Ah mais je ne peux pas t'équiper. Je n'ai pas la bonne classe. Ce récipient est plein. Non, c'est pas le récipient est plein.
c'est que le récipient est mal foutu. On va la refaire. Voilà. Hop, 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 hop. Ah non, c'est le... Ah, oh, c'est magnifique ces petits effets de flamme. Ou de feuilles. Et là, un cadavre avec un anneau en or. Dois-je comprendre que ce tombeau renfermerait sans doute un corps animé de vampire? Parce que, quand même, ce serait un peu ballot. Puis il y a deux entrées surtout, et c'est ça qui me fait un peu peur. Ah. D'accord, donc ouais. Donc ces jantres, c'est foutu pour moi. Tombeau de la hyène, ouais, ça j'avais compris. Écoute. Alors. Oh là 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 là. Magnifique catacombe. Piège. Là l'MDR. Tu es quoi? Oh non, Dalin, tu es pris au piège. Attends. Attends, j'arrive. Ça, je sais pas si c'est une blague. Un guerrier liche. Oh là là là. J'arrive. Guerrier liche, vraiment puissant quand même. Bon, et le troufion là-bas. T'as essayé de me mettre des dégâts, je comprends pas quelle sorte de dégâts c'est. D'accord. Donc si je suis bien, c'est des sortes de tests. Enfin de pièges, quoi. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que... Pierre de, du succube. De succube.